Créer une bande-annonce de la chaîne YouTube. Une bande-annonce, c'est une petite vidéo qui présente le concept et les contenus que vous allez présenter. Cela donne une impression de professionnalisme et de cohérence d'ensemble. Cette vidéo est mise en avant sur la chaîne et les internautes sont incités à la regarder. Ainsi, un internaute qui n'est pas encore abonné, vous voyez là j'ai le petit bouton s'abonner, eh bien lorsqu'il arrive sur votre chaîne YouTube, il verra en priorité la vidéo et la description. Donc il est très important de remplir cette description puisque en fait cela sera affiché par défaut. Voilà, je coupe le son simplement pour pouvoir continuer. Donc là, j'ai ma bande-annonce qui présente en fait à quoi sert cette chaîne YouTube et me permettra donc d'expliquer aux internautes que c'est bien de liker les vidéos, que c'est bien de s'abonner pour pouvoir prendre en compte à jour, etc., etc., etc. Comment fait-on pour déposer une vidéo de bande-annonce? Eh bien, en fait, ça ressemble énormément à un dépôt classique de vidéo sur une chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il faut vous connecter sur votre chaîne. Donc, je vais sur YouTube, je suis connecté. Il y a mon petit logo là qui apparaît, donc je suis bien connecté. Je bascule en mode créateur en cliquant sur vos vidéos. Et je vais déposer ma vidéo de manière classique. Donc je fais créer, importer des vidéos, je la dépose et puis je remplis la page d'information comme on le fait habituellement lorsque l'on veut déposer une vidéo sur YouTube. Une fois que cela est fait, on va indiquer que l'on veut importer, que l'on veut rendre cette vidéo comme bande-annonce. Pour cela, on va aller cliquer sur la photo, voilà la photo de la chaîne. On va rentrer dans personnaliser la chaîne. Et alors là, il m'a lancé la vidéo, je vais couper le son. Et là, à cet endroit-là, là, tout de suite, dans disposition, je tombe sur bande-annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Donc il va suffire de rajouter cette vidéo. Donc là j'en ai déjà une, donc je pourrais changer de vidéo, je pourrais la supprimer. S'il n'y en a pas encore, on va pouvoir ajouter une vidéo. À partir du moment où on aura cliqué sur publier, cette vidéo apparaîtra automatiquement sur votre chaîne YouTube.